période, nous étions au Shawikon. Mais au vu des circonstances, nous ne pourrons pas être présents cette année. Nous en avons gardé d'excellents souvenirs, et nous avons hâte d'y retourner et de vous revoir. D'ici là, nous vous souhaitons un excellent Shawikon 2021 en mode virtuel. Bon, on est de retour, mesdames, messieurs. On a fait une courte pause. Pourquoi on a arrêté? On a coupé le stream. C'est parce qu'on a le droit de 8 heures en ligne sur Facebook. Alors, parce qu'on ne veut pas que vous perdiez rien. On a donc fait une petite pause pour avoir un autre 8 heures de diffusion pour votre grand plaisir. Vous savez, nous, au Shawikon, on donne. Et quand il n'y en a plus? On redonne. Non, on donne encore. Tu suis pas là. Ah, dans répète un matin, on a tout pratiqué ça. T'es arrivé en retard, t'avais plein de beurre de pinot sur le bord de la bouche, une note te lever. T'étais pas là, t'as pas compris. Bon, ça va. C'est ça. ça allait bien, là, je sais plus, là, Denis. Non, écoute, ça va bien. T'es prête, hein, pour la guerre qu'on s'en va faire, justement, là, tu pompes, là. Bien, c'est parce que je suis avec des amis que j'estime beaucoup. Ouais. Et c'est des gens que j'aime, mais parfois que j'aime, mais qui, eux, entre eux, malgré un amour fraternel incroyable, peuvent avoir certains conflits concernant leur passion commune, c'est-à-dire Star Wars. Et je parle, bien sûr, de Jeff et Kim. Et Sylvain, est-ce qu'ils sont là? Est-ce que je peux les voir? Monsieur le réalisateur, ils sont là. Hey, tabarouette, regardez ça. Comment ça va? Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Merveilleusement bien. Jeff et Kim. Sylvain, es-tu là? Ben oui, mon beau Sylvain, ensuite. Ben oui, je suis là. Je vais extrêmement bien. Extrêmement bien. Extrêmement bien. Déjà des équipes, Denis, là, mon beau Sylvain en sucre. Ah non, non. Je les aime également. C'est comme si je les connaissais bien parce que j'ai été à des événements où je les ai vus discuter comme ça à haute voix de leur passion commune. Mais souvent, en écoutant le Space Trash Show, je me rends compte que des fois, ça passe carré. Vous n'êtes pas toujours c'est pas d'accord. Propre. Non. Parlez-nous un peu de votre relation de amour-haine, votre sweet and sour du Star Wars. Parlez-nous de ça un petit peu. Sylvain, c'est mon verre à moitié plein. Hein? Oh. Que, il est toujours plein d'amour, il trouve toujours du positif. Puis moi, on m'appelle le Grinch, hein? Fait que c'est pas pour rien. Dans le sens que j'aime ça mettre, hein, que, t'sais, amener d'autres perspectives, d'autres points de vue. Puis des fois, je fais rager notre ami ici à distance. Et ça donne un bon show. On s'amuse pas mal. Puis à travers ça, ben, y a madame ici qui me tape sur l'épaule et dit « OK, ça suffit, je pense, t'es en train de le fâcher, là. » Ben, il est pas fâché pour moi parce qu'on s'aime, moi. Non, je me fâche rarement, mais je deviens intense. C'est la différence. Une personne intense, pas quelqu'un qui se fâche. Quand je me mets à faire part de mon opinion, je le fais avec intensité. Ah, je pense qu'on va vivre, Émilie, je pense qu'on va vivre cette intensité parce que le premier point dont j'aimerais discuter, c'est Star Wars, des fans toxiques, on se pose la question, une communauté qui aime débattre, la polarisation des opinions, l'escalade des prix. Est-ce que la communauté paierait 60 US pour une simple autographe ou encore une figurine? C'est ce qu'on va savoir. On va commencer tout de suite avec Jeff. Jeff, qu'est-ce que tu penses des fans qui sont trop fans? Ils sont trop fans. Tu peux pas être trop fan, là, mais c'est tellement récurrent. Souvent, je fais des entrevues, mettons, pour médias traditionnels. Puis là, ils m'arrivent, puis « Ah ouais, c'est spécial. Hein, les fans de Star Wars sont intenses pas mal. Hein? » Je fais « Ouais, ils sont intenses pas mal. Ils sont pas mal intenses. » Dans le sens que il y a du bon. Là, puis inquiétez-vous pas, on va arriver vers ça. Un aspect très positif. Mais à travers ça, tabarouette qu'il y en a que c'est lourd. Dans le sens que tu peux pas... Tu sais, qu'est-ce qui était le fun à l'époque, là, il y avait des débats. Tu sais, c'est le fun des débats. Moi, j'étais un gars de la vieille école, là, Gilles Proulx, puis toute cette gang-là, là, j'ai tant trippé sur les émissions de débats. Puis là, c'est plus genre, si t'aimes pas exactement tout ce que j'aime, t'es mon ennemi. Pourquoi t'aimes encore Star Wars? Pourquoi tu fais pas ton propre film si t'es pas heureux? Quand tu regardes une game de hockey, puis ils perdent, puis tu dis, hey, tabarouette, ils ont mal joué à soir. Tu dis, fais pas dire,
Bon, toi, ta prof fait une échelle à toi, tu sais. Ta ligue à toi, ça, dans le sens que, à un moment donné, tu dois de pas trouver tout parfait, pas parce que le logo des Tempêtes de Star Wars, que c'est de la perfection à chaque fois. Il y a du beau. Sylvain, qu'est-ce que t'en penses? Le verre à moitié plein va parler. C'est exactement un peu la portion de ce que Jeff a dit, c'est-à-dire que, tu sais, le bien, il faut trouver le bien dans un ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des gens, les fans toxiques, ils vont focusser sur qu'est-ce qui n'est pas bien. Puis ils ne vont pas analyser, ils ne vont pas se laisser le temps de bien digérer l'information puis de savoir qu'est-ce qu'ils ont apprécié puis qu'est-ce qu'ils n'ont pas apprécié. Puis c'est toujours une question de comment tu vas passer ta journée. Est-ce que tu vas focusser sur qu'est-ce qui a mal été dans ta journée ou tu vas aller chercher les éléments positifs de ta journée puis tu vas dire « Hey, sais-tu quoi? J'ai pilé dans la marde de chien, je me suis enfargé, j'ai tombé en pleine face, mais j'ai eu une belle journée parce qu'il m'est arrivé telle affaire. » C'est la même chose dans un film. Tu vas t'accrocher dans quelques points puis il va dire « Sais-tu, moi, là, si j'avais été un réalisateur de film, c'est pas comme ça que j'aurais réalisé ça, puis j'aurais pas produit ça de cette manière-là. Ben, peut-être, mais tu l'es pas. Tu travailles au Tim Horton, puis tu fais juste écouter la télé. Fait que laisse les pros faire la job, puis le restant, apprécie. Apprécie ce que t'as. Tu sais, ouais. Le monde oublie que la trilogie originale, là, il nous a fallu pas loin de 15 ans avant d'avoir quelque chose d'autre de Star Wars qui s'en vienne. Là, ouais. Aujourd'hui, là, à tous les 3 mois, on a du Star Wars qui débarque. Puis je dis 3 mois, là, ben. C'est quasiment à toi et moi, parce que là, tu sais, on a de la littérature, oui. On a des bandes dessinées, on a plein de stocks qui sortent. Pourquoi se plaindre, là? Est-ce qu'on n'a pas ça? Ben, est-ce ferme qu'on des yeux, regarde ailleurs, puis... On en a-tu trop, Jeff? Y a-tu trop de Star Wars? Hey. On a-tu dilué le produit? Qu'est-ce que t'en penses, Émilie? Jeff, là, c'est ça, il a posé la question aux deux. Moi, ce que j'ai dit tantôt, c'est que je vais pas m'affirmer fan de Star Wars, même si j'écoute tout ce qui existe, parce que j'ai trop peur de vous. Vous me faites peur. Puis j'ai vraiment pas envie que les vrais fans viennent m'attaquer puis me dire comment t'as ça dit tu connais exactement pas la cuisine? Quel problème. Hein? Ouais, c'est il ça. Le problème. Vous dites il est là le problème parce que je m'assume même pas vrai fan à cause de ça. Ben vois-tu, justement, tu sais, dans la groupe que Sylvain porte fièrement son T-shirt, le Star Wars Geek Québec, il y a des discussions, justement. Puis des fois, ça vient à, tu sais, mettons, il y a des petits détails. Tu sais, là-dedans, il y a quoi, 4000 personnes, là, qui trippent toutes sur Star Wars, sur une même thématique. Mais là-dedans, t'as le gars qui a regardé les films une fois chaque, ou la fille, là, une fois chaque, puis ça peut être il y a 15 ans, puis il aime Star Wars. Puis là, l'autre à côté qui écoutait chaque biographie, puis chaque petit détail. Puis là, quand quelqu'un qui a écouté le film 2-3 fois dit, hey, c'est le fun, on a vu un petit caméo de telle chose dans Mandalorian. Mais là, hey, t'es-tu cave? Tout le monde l'a remarqué. Pourquoi tu l'écris ici? Ben non, tu sais, c'est ça qui est la beauté d'un fandom. C'est du monde qui découvre des petits détails et sont impressionnés de ça. Puis t'as toi qui en a trop mangé à un moment donné, qui a fait une indigestion. Tu sais, viens pas comparer, tu sais. On voit pas les pareils aussi. Tu sais, le fan fini de Star Wars, on va remarquer tous les détails, on en veut plus, on est plus critique, mais monsieur, madame, tout le monde qui écoute Star Wars, eux, sont comme juste... Ils sont divertis, contents, heureux, qu'il faut arrêter de trop... Analyser. Analyser ouais, on est non plus, mais on est les premiers à le faire. Par contre, c'est ça la chose, il y a beaucoup de monde qui dit « Jeff, mets ton cerveau à off ». La dernière chose que je vais faire quand j'écoute Star Wars, c'est mettre mon cerveau à off. C'est comme de dire, le gars, il trippe sur le golf, il va regarder une game de golf, mais il va analyser les gestes de tous les joueurs, de tout. Tu sais, c'est le même principe. Fait que mon cerveau, il est pas à off, il est à spin fois 1000 quand j'écoute Star Wars. Puis, c'est ça. Pour revenir à ta question, est-ce que trop de Star Wars... Est-ce capable de... Ouais, excuse, vas-y. Mais parce que je me demande, là, tu dis, tu mets pas ton cerveau à off. T'as-tu du fun? Mais comment tu fais pour aimer ça? Non, mais c'est pas négatif. Ça me semble que ça a l'air rushant. Oui, bien, c'est dérochant parce que j'ai des attentes quand c'est Star Wars, premièrement, plus que n'importe quel autre film, parce que c'est ma passion. Puis, je vais analyser beaucoup plus qu'est-ce qui est en background. Tu sais, quelqu'un comme, je sais pas, moi, ma soeur qui va voir un Star Wars avec ses kids, ben elle va regarder l'action au centre de l'image. Moi, je vais regarder en arrière, y a-tu des caméos, y a-tu des easter eggs? Ben, tout le temps dans l'analyse. Puis, c'est pas nécessairement rendu à la troisième écoute, c'est souvent même à la première écoute, je suis déjà en mode analyse de background. C'est pas tant l'acting, c'est pas l'histoire. Puis c'est ça, est-ce que trop de Star Wars, tu sais, c'est simple, c'est quelque chose qu'on, je pense qu'on revient là-dessus, moi, Sylvain, puis Kim, régulièrement, c'est qu'il n'y a pas trop de Star Wars, c'est qu'il y a beaucoup différents Star Wars, il y en a un pour chaque catégorie. T'en as qui ça va faire plaisir aux vieux fans, tu sais, les vieux de la vieille, comme Rogue One, t'en as d'autres, ça va être la nouvelle trilogie, il y en a qui vont triper sur le cartoon, d'autres le plus le Mando. Côté Mando, qui était très, très simple, ça ressemblait quasiment au scénario saison 1, là, au scénario du Vagabond, tu sais. Je fâche du monde quand je dis ça, mais c'était pas mal ça, hein. Mais c'est ça. Mais moi, j'ai aimé ça. Moi, j'ai aimé... Ça a l'air d'être dur d'être un fan de Star Wars. Ça a dû être... C'est ça. Mais là, moi, Mando, j'ai fait une gaffe. J'ai dit que c'est comme un western qui se passe dans l'espace. Hé, monsieur Tramas. Ben, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi. Mais c'est pas une gaffe. C'est ça le problème.
Le problème là-dedans, là, c'est que justement, comme Émilie dit, elle a peur des fans, mais t'as pas à avoir peur parce que le fan, il y a différents types de fans. Il y a le fan comme Jeff, que lui, il va s'occuper, de... tu sais, il va analyser la technique, il va aller voir les détails, la manière que c'est fait. Puis... beaucoup de making-up, oui. Exactement. Puis là, moi, je suis plus le type de fan que je regarde ça dans l'ensemble, puis j'essaie de me projeter dans l'histoire, puis tu sais, avec les... les archives, puis comment que ça s'est passé avant, dans le... faire des comparatifs avec la littérature, puis aller chercher un peu un lien des fils conducteurs. Et puis, moi, ça, c'est ce qui me fait stripper dans Star Wars. Puis, d'autres, là, c'est le simple fait de l'écouter une fois, puis d'avoir passé un bon moment, puis de se dire, moi, là, ce film-là, je l'ai trouvé bon, ou peut-être je ne l'ai pas trouvé bon, parce que telle raison, puis ça s'arrête là, il n'y a plus d'analyse qui se fait. Comme un peu, moi, là, je ne suis pas un tripeux de l'univers Marvel, tu sais, avec Captain America, tout ça, là. J'ai écouté tous ces films-là une fois, c'est tout. Là, dernièrement, avec ma nièce Alice, j'étais en train de réécouter tous ces films-là un après l'autre, puis je découvre des choses que j'avais jamais vues la première des fois, liens, que, des liens que j'avais jamais vus dans ma première écoute, parce que au début, je n'avais pas l'intérêt, mais là, l'intérêt s'est forcé, puis je me suis remis à réécouter ça, puis je vois des choses que je n'avais pas vues la première fois, comme les fans un peu plus, moins hardcore, voient eux autres de cette façon-là aussi, tu sais. Oui. Puis il amène un bon point, Sylvain, là, c'est que je me souviens plus du tout, mais ça, tu sais... c'était bon ou pas, à peu près. Ouais. Non, non, il amène un bon point. Ah, la raison pourquoi t'aimes Star Wars, on a toutes des façons différentes, hein. Moi, Kim, ça va être le côté nostalgie beaucoup, OK? Kim embarque beaucoup dans le côté nostalgie. C'est les trilogies originales. Moi, c'est le making-of. C'est qu'est-ce que Star Wars amène à l'histoire du cinéma. T'sais, autant la première trilogie que les effets spéciaux, qu'est-ce que Lucas a développé, c'est vraiment le making-of. Sylvain, lui, c'est l'histoire. T'sais, fait qu'il va lire beaucoup les romans, les backstories des personnages, ces choses-là. Qu'est-ce qui, moi, m'intéresse pas du tout. Fait que, tu sais, à partir de là, chacun a sa raison pourquoi il aime cette thématique-là. Fait que là, même là, ça fait une grosse différence sur ton appréciation aussi, tu sais. Puis, non, fait que c'est un point. Puis même à l'époque, tu recules, même dans la trilogie originale, Castor qui est quasiment vénéré, bien, à l'époque, quand Return est sorti, là, t'as eu Palette Jabba, que t'avais un éléphant, tu sais, des cochons comme garde. Le monde, là, les fans un peu plus vieux, là, le monde qui était rendu dans la vingtaine, dit... tabarouette, ils nous ont-tu amené les mopettes stick dans Star Wars, tu sais? Avec les petits Ewoks qui couraient partout. Même à l'époque, le monde, les fans de Star Wars chiolaient contre Return, qui était beaucoup moins sérieux que l'Empire contre-attaque qui venait de sortir. Fait que là, tu ramasses aujourd'hui, après 9, 11 films, c'est, écoute, on a de la viande, là, de justement, de la viande de chiolage, là, justement, tu sais, parce que là, ceux qui vont chioler sur CGI, il y a du monde qui va chioler sur le côté Marvel, tu sais, de la dernière trilogie, tu sais. Moi, je n'ai pas répondu à la question est-ce qu'il y a trop de Star Wars, OK? Il n'y a pas trop de Star Wars. La seule chose qui me fait un peu capoter, c'est que je vais probablement mourir sans avoir vu la fin de qu'est-ce qui se fait comme Star Wars. Ça, c'est triste. Il y a tellement de Star Wars, là. Écoute, Denis, je pourrais te monter la pile de comic books que j'ai à lire, que je suis en retard, que je n'ai pas lu. J'ai des romans, j'ai à peu près une quinzaine de romans que je suis en retard. Je n'ai pas assez de temps pour tout gober, le Star Wars que je veux gober. Je n'aurai pas assez de ma vie pour avoir tout le Star Wars que j'ai à voir. Est-ce qu'il y en a trop? Non. Il y en a pour chacun des goûts, chacun. Il y en a autant pour les enfants, il y en a autant pour ceux qui trippent un peu plus sur l'action. Puis là, j'espère que, tu sais, avec les séries télé qui s'en viennent, ben ça va être assez varié pour qu'il y en ait pour tous les goûts, puis que ceux qui sont chialeux, ben ils comprennent à un moment donné que c'est peut-être pas le Star Wars qu'ils ont besoin, puis qu'ils se dirigent vers le Star Wars qu'ils veulent. Exact. On n'est pas obligé de tout aimer, Émilie. Émilie. Mais y a-tu, justement, tu parlais de BD, y a-tu un Star Wars que. Tu sais, une forme de Star Wars qu'on n'a pas encore vue, que tu aimerais vraiment qu'il adapte, soit au cinéma ou dans une émission bientôt? Bonne question, mais en plus, c'est qu'on risque d'avoir un. Avec les dernières annonces qu'il y a eu de Disney, il y a comme une avalanche de nouveautés qui débarquent. Et puis. Ouais. On n'a pas encore les détails de chacun de ces films ou séries télé-là qui s'en viennent. Non, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Moi, qu'est-ce que je veux? Je veux du côté obscur. Je veux vraiment, là, je veux voir des Jedi souffrir. Je veux voir le côté obscur de la Force prendre le dessus. Je veux voir un apprenti Sith se développer puis développer la haine. Ça se fait en roman, puis c'est intense, puis c'est... tellement bon, là, parce qu'il n'y a pas juste les gentils qui finissent, que l'histoire finit bien, finit heureuse. C'est pas la vraie vie. La vraie vie, là, des fois, ça finit mal, puis c'est pas drôle. Puis ça, c'est quand même la réalité, puis Star Wars l'a pas assez exploré. Avec Disney, est-ce que ça va se passer? C'est ça que je pense. C'est ça qui fait peur. Parce que le problème avec Disney, Jeff, t'as dit que ça te faisait peur. C'est ça qui me fait peur, c'est ça que j'ai compris?
Oui, dans le sens que... Oui, non, je réfléchis. Dans le sens que, qu'est-ce qui me fait peur, justement, c'est le côté sombre, le côté un peu plus adulte de Star Wars. Tu sais, Disney, là, sont dans le familial à 800%, puis c'est parfait, j'adore Star Wars. Moi, c'était une bonne nouvelle pour moi, l'arrivée de Disney. Tu sais, c'était pas quelque chose de négatif. Seule chose, c'est qu'on le voit avec Marvel, c'est qu'on a la misère à accepter de laisser mourir des personnages. Dans le sens que, je donne un exemple, Black Widow a meurt, je vais pas spoiler, ça fait 2 ans que le film est sorti, là, dans le dernier Avenger. Ben, ils vont faire un... faire un film, tu sais, pour... tu sais, comme... Ils vont la ramener sur un film, sur un petit backstory, tu sais. Iron Man meurt, bon, ils vont faire un petit clin d'œil. Tu sais, à un moment donné, il est mort, là. Le monde a le droit d'avoir de la peine, puis ça finit là, tu sais, je veux dire. Fait que dans le sens que j'ai tant peur que ça soit le côté familial prenne sur le dessus sur... On va faire une bonne histoire, puis si le monde a de la peine, ben... Ils en auront de la peine. Mais tu sauras, Jeff. Vas-y. Non, c'est correct. Je voulais juste dire comme Rogue One, là. Oui. Moi, j'ai trouvé quand même plus violent que toutes les autres. C'est un excellent. J'étais vraiment surprise parce que ça reste quand même Disney. Oui. Que moi, me faire voir des Stormtroopers se faire tirer dans la tête, là, puis tu vois exploser, là, c'est comme j'ai fait aïe, aïe, OK, c'est intense. Ça me donne quasiment l'impression que c'est une erreur. Bon. Tu sais, dans le sens que. En fait, on était jusque-là, puis tant mieux. Mais non, mais c'était cool, mais c'est ça. Comme moi, je suis comme Sylvain dit. Moi aussi, je suis plus vraiment côté Empire. Puis moi aussi, je veux voir vraiment le dark side, là, mais violent, là, violent. Mais ça se peut-tu que Rogue One, ça, c'est justement à cause qu'il n'y avait pas vraiment de personnages... Tu sais, les autres films, il y avait des personnages qu'on était habitués de voir, puis Rogue One, c'est plus comme, hey, on s'en fout, pow, pow, puis on fait tout exploser, parce qu'il n'y avait pas justement, tu sais, il n'y a pas le Iron Man, parce que là, j'en prends ce que tu as dit des Iron Man qui ne veulent pas laisser mourir, puis Black Widow, c'est pas le même niveau, fait que c'est peut-être là, c'est plus facile de. Un aspect dans Rogue One qu'on n'avait jamais vu dans Star Wars, je donne un exemple, à la fin, quand tu vois Vader, justement, qui arrive dans le vaisseau des rebelles, oui, tout le monde est content parce que c'est Vader, puis il use the Force, puis tu sais, il se boxe lightsaber. Au-delà de ça, regardez la face des rebelles, la frayeur dans leur face. Il y avait peur, là, tu vois, la frayeur. Je pense que dans cette scène-là, c'est quelque chose qui n'avait jamais été amené dans Star Wars, de voir vraiment, tu sais, comme, shit, on est fuck... j'allais dire un gros mot. On est vraiment dans la merde, tu sais. Puis c'est la première fois qu'on voyait ça dans du Star Wars, puis c'est du Disney quand tu y penses, là. Fait qu'à quelque part, tu sais, moi, j'espère juste qu'ils ne vont pas tirer à sauce de certains personnages dans des séries, des trucs du genre. Ben, mais overall... on l'a bien vécu. Là, mais quand Disney est arrivé dans le portrait, et là, je lisais, là, j'avais du fun, j'allais me promener sur les forums, et là, c'était comme si c'était fini. La franchise est finie. On veut du nouveau stock, mais on veut pas Disney. Non, c'est le démon. Ouais. Puis je rappelle que Bambi, sa mère, s'est fait tuer aussi. C'était triste. Ouais. Mais ils ont changé l'histoire. Ils ont changé l'histoire, par contre. Ils ont changé l'histoire, elle meurt plus de la même façon. Bambi, avant, c'est un chasseur. C'est un chasseur. À cette heure, elle meurt, genre, pris dans un banc de neige, là. Non, à travers l'autoroute. À travers l'autoroute, puis il va changer de soir, faire moins de peine. Mais là, Sylvain, toi, l'arrivée de Disney, c'est une bonne chose ou en tant que fan moitié plein, tu trouves ça correct parce que ça va te donner vraiment du jus pour les prochains... tu sais, pour continuer ta passion, finalement. Exactement. Moi, je suis celui qui était extrêmement content quand j'ai su que Disney prenait possession de Star Wars. Je voyais pas le côté que ça allait être plus familial. Je voyais vraiment plus le pognon en arrière de ça, l'argent, parce que, tu sais, on s'entend que Disney a déjà Marvel. Ouais. Puis là, j'étais extrêmement content. C'est tout si simple que ça. Puis après ça, le temps m'a donné raison parce que j'ai eu beaucoup de Star Wars. Il y a du Star Wars que j'ai moins aimé. Mais si on prend un peu comme Kim disait tantôt à propos de Rogue One, on compare ça un peu avec le Mandalorian. Tu sais, moi puis Jeff, on a eu des prises de bec assez impressionnantes à propos de cette série-là parce que moi, j'ai pas peur de dire à Jeff que je suis vraiment pas d'accord avec ce qu'il dit. Puis lui non plus, il a pas peur de me dire qu'est-ce qu'il pense. Bon. Comme quoi, par exemple? C'est ça, comme quoi, là? Dis-nous. T'as pas assez d'une émission? T'as pas assez d'une deux heures. Robert Englund, appelez Robert qu'on le tasse un peu. Ben ouais, c'est correct. Il va dire oui, là. Mais en gros, là, justement, moi, j'étais la personne qui était plus focus au niveau de l'histoire. Puis Jeff était plus au niveau du contenu, la manière que c'était produit. Lui, il voyait les défauts. Puis moi, je voyais tous les liens. Je voyais vraiment les détails. Il y avait tellement de fanservice dans Rogue One que ça me faisait triper. Ah oui, triper. Rogue One, moi, j'ai trippé rare. Mandalorian. Excuse, Mandalorian. Ouais. Dans le Mando, on s'entend que des Easter eggs, il y en a
à la tonne. Puis tu sais, juste que, tu sais, on s'est souvent pogné, Jeff, en disant que c'est facile de faire une série comme ça, mettre deux, trois easter eggs à gauche puis à droite, puis les fans vont être fous comme la merde. Mais c'est un peu ça qui s'est passé, mais why not? Tu sais, sérieusement, ouais, pourquoi pas? J'ai plus apprécié la deuxième saison parce que je m'étais fait à cette idée-là. Tu sais, moi, j'écoute des séries, mettons, comme Game of Thrones avec des gros cliffhangers à fin de chaque épisode qui t'amènent au prochain épisode, qui te gardent en suspense. Puis dans Mendo, c'est comme des histoires qui, pour la saison 1, en tout cas, qui se terminaient à chacune, ouais, tu sais, qui quitte le monde qu'il a rencontré, ouais, puis ça peut, tu sais, peut-être des les deux dernières. Des stand-alone adventure, puis moi, ce style-là, j'aime pas ça, overall, mais que ce soit Star Wars ou pas, c'est pas quelque chose qui m'accroche. Dis-moi pas que t'as pas aimé les vagabonds. Dis-moi pas que t'as pas aimé les vagabonds qui partaient. Mais justement, peut-être le fait d'avoir vécu les années 80 avec des stand-alone adventure. Oui, il aimait Skippy. Ah, Skippy. Arrête. Mais moi, il n'y a rien de drôle, Denis. Il n'y a rien de drôle. Excuse. Il y avait. Bon, le TDA qui a embarqué. Les pilotes ont fait. Mais ouais, c'est ça. C'est ce côté standalone qui me fatiguait, mais que quand tu regardais les forums, c'est ce que le monde aimait, dans le fond. Tu comprends? Mm-hmm. Parce que dans le fond, à bout de ligne, c'est il n'y a pas personne qui a raison. Si tu aimes le standalone, hey, c'est une série pour toi. Si tu aimes quelque chose avec des plus grands cliffhangers, ben là, c'est peut-être pas pour moi, mais l'affaire qu'on éclaire là-dessus, moi, puis... c'est quoi ton nom? Sylvain. c'est que on a catché toi deux aussi, par exemple, on a le respect dans le sens que si quelque chose ne s'adresse pas à toi, va pas bâcher ces forums, ces groupes, puis faire chier le monde. Exact. Si t'aimes pas ça, ça t'intéresse pas, ça s'adresse pas à toi, c'est pas ton style, ben laisse le monde enjoy, puis va pas hein, que mettre tout le temps de la bagaille sur le forum. Là, tu peux amener qu'une opinion, mais... faire suivre non plus, tu sais. Oui, vas-y, Émilie. Il faut faire la distinction aussi entre, justement, comme tu dis, j'aime pas ça, c'est pas mon style, puis littéralement, c'est du caca. Parce qu'il y en a beaucoup que c'est ça, c'est dès qu'ils aiment pas ça, ils classent ça là, puis... Mais tu sais, tu peux ne pas aimer ça pour des raisons. Explique ton argument de pourquoi que c'est pas, ça te plaît pas. Tu sais, comme toi, tu disais, Jeff, t'aimes pas vraiment ce style d'histoire-là. Mais après, je suis sûre que tu peux trouver aussi des éléments positifs, puis... je veux dire, il y a une façon de le dire aussi qui fait en sorte que c'est peut-être un peu moins toxique. Puis, tu sais, exact. On s'en était parlé un peu du Mando, toi puis moi, Jeff. Puis ce que tu avais ressorti, puis ce que j'ai ressorti aussi, c'est au-delà de l'histoire. Stéphane, tu as quand même des beaux décors, des beaux costumes, des belles nations aussi que tu découvres à travers de ça, que c'est quand même plaisant à voir puis à découvrir. Bon, oui, moi, ce que j'ai aimé, c'est quand j'ai observé la série, puis que moi, j'ai eu la chance d'aller voir Star Wars à Disney World, puis de reconnaître certaines portions de décors qui ont été filmées là. Pour moi, je suis capable. Ah, chanceux! Mais quand tu dis ça, il dit, il y a juste une petite portion qui dit là, le reste n'a pas été filmé là. Ça a été filmé un mercredi, à telle place. Et puis, les gars et les filles sont, hey, j'ai juste dit que j'ai aimé ça. J'ai-tu le droit d'aimer ça? Non, t'as pas le droit. Oui, mais c'est parce que tu comprends pas le backstory. Non, j'ai pas besoin de le comprendre pour avoir du fun. C'est ça, exactement. Ouais. Mais là-dessus, je pense qu'on se rejoint tous, par exemple, dans le sens que, tu sais, laisse le monde avoir du fun. T'sais. Ça, c'est une affaire qui revient souvent. Genre, la personne, tu sais, on parle souvent, là, on parle des séries, ces choses-là, mais on peut arriver dans le côté collection, là. Tu sais, des fois, la personne arrive, puis sur Star Wars Québec, puis il y a une collection de débiles, là. Tu sais, il prend des photos, puis hey, good job, c'est vraiment beau, puis je suis content pour toi. Mais après ça, t'as l'autre personne qui arrive avec nous trois gugus du magasin de pièces, mélangeant avec du stock de chez Walmart, puis la personne est contente de montrer sa petite étagère avec 3-4 figurines. Ben, j'applaudis, puis je donne un beau gros like sur ces publications-là, parce qu'il n'y a pas de compétition là-dedans, tu sais, puis je vois pas... Mais non. Il n'y a pas de compétition entre les fans, mais il y en a qui essayent d'embarquer, tu sais, genre, l'espèce de « je pisse plus loin », là, on en a beaucoup de ça, que ce soit au niveau de la collection, là, mais aussi au niveau de... À quel point, moi, j'ai aimé The Mandalorian. J'ai tellement aimé ça, là, c'est rendu, je me lève à 2 h du matin. Non seulement, j'enregistre pas, mais je me lève à 2 h du matin. Puis là, ma femme, là, toute la famille me voit me lever, là, puis voyons, comme colique. Non, mais c'est vraiment... À quel point? C'est vraiment l'escalade du fandom. À quel point que je suis un fan fini. Moi, je suis un fan plus fini que toi encore. Tu vois à quel point que Star Wars prend de la place dans ma vie? Moi, là, comme tu dis, je me lève à 2 h du matin.
Puis tout le monde le sait à ma job. Tout le monde, je le dis à tout le monde que je suis debout depuis 2 h du matin. Puis à tous les vendredis, sachez que je vais l'être à cette heure-là parce que je vais être le premier à voir Mando. Puis je vais être le premier à dire « Wow, c'était fantastique sur les réseaux sociaux. » Puis là, il y en a même là-dedans qui vont s'amuser à dire la fin puis des bouts, des spoilers. Fait que là, ils vont gâcher ça, les... Là, les... Non, mais ça, ils vont gâcher... Je vous dirai rien, là, mais j'ai vraiment capoté à la fin. J'ai pleuré parce qu'en tout cas, je vous dirai rien, mais il y avait, tu sais, tu te rappelles l'épisode? Mais tu sais, ils ont rien, mais en bout de ligne, t'as tellement de grosses attentes. Mais même sans rien dire, t'arrives, puis là, t'as une attente de fou, puis tu fais comme « Ah, c'était hier, ça. » Wow, c'est ça. Ouais. Ben, on l'a beaucoup, là, dernièrement, que ce soit, mettons, avec le dernier épisode de Mando, là, il y avait un gros spoiler à la fin. Je pense que, je sais pas si on peut dire, ça fait un peu de mois, là, quand même. Oui, là. C'est bon. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y avait Luke à la fin, puis là, c'était rendu, là. Mais non, mais c'est ça. Mais moi, j'ai pleuré, là. Ah non, ben moi, j'ai plus que pleuré. Moi, ma femme, était, elle m'a consolé, là. Moi, là, il a fallu que mes enfants m'ont jamais vu pleurer autant que ça. Je te jure, des groupes, tu sais, groupes, là, puis... Mais c'est pas exclusif à Star Wars Geek Québec. Je regardais des groupes internationaux aussi. En général, t'as vu ça. En général, c'est vraiment un concours de « Ah, moi, j'ai vraiment plus aimé ça. Moi, j'ai plus pleuré. Ah, moi, j'ai pleuré tellement. Là, je me suis étouffé dans ma morve. Là, ça se pouvait plus. » Là, t'sais, fait que là, tu fais comme « Mec, les gars. » Mon sort de laser est plus gros que le tien. Ouais, c'est que moi et Jeff, on s'est téléphoné puis on se demande. J'ai dit, Jeff, c'est où que le monde pleurait? Là, il faut que. On a discuté ensemble pour essayer. Ouais. On avait 2-3 options. On se doutait pas mal que c'était Luke, mais est-ce que c'était quand que Mando, bébé Yoda a touché à la face de Mando puis il y avait un petit moment d'émotion? Est-ce là, que... Tu l'as-tu appelé bébé Yoda? Tu vas partir avec Grogu, là. Grogu. Comment? Ouais, Grogu, même si je suis un fan fini, je l'aime pas son nom. Fait que je l'assume pas. Fait que je l'appelle Bébé Yoda. Ouais. Puis ça, on le retrouve aussi même dans les bandes-annonces. Tu regardes une bande-annonce, tu fais comme « Hey, c'était cool, la bande-annonce. » Mais à un moment donné, tu sais, le monde qui se filme, là, des fans react, là. Oh my God! J'ai de la misère avec ça, là, dans le sens que, tu sais, quelqu'un qui se filme, là, tu sais, puis je suis un fan, on s'entend, là, j'ai du fun à regarder une bande-annonce. Mais là, écoute, je regardais des fans react, mettons, de l'arrivée de Luke, là. Le monde, là, ça criait tellement, là, ça se lançait dessus, ça se lançait dans les murs, puis en criant, là, puis t'entendais la distorsion d'un micro. J'ai dit, tu peux être heureux, là. Puis je dis pas au monde de pas être heureux, mais à un moment donné, calme-toi. Puis j'ai un petit exemple d'un fan react, justement, de bonne annonce, mais je vous avertis, c'est un peu trash parce qu'on est sur on a du Space Trash Show, là. J'ai gardé une petite comparaison de 30 secondes entre un fan qui regarde une bonne annonce, puis un gars qui regarde une bonne annance, mais filmé. On va le voir. OK. Si Félicino peut m'embarquer ça. On commence à l'avoir. Attention, stand by, on va l'avoir. Tiens, une nouvelle bande-annonce. Très intéressant. Fantastique. Ah, beau travail. Nom de Dieu! Ah, beau travail. C'est ça. Mais c'est pas mal ça. Quel film on avait été voir? Quel film on avait été voir, toi et moi et Jeff, ensemble dans un lancement de presse? On a vu Solo, puis on a vu The Rise of the Skywalker. On a vu deux ensemble en première presse. Même au sein des critiques de films qui étaient là, tu voyais qu'il y avait une espèce de... Il se relançait toute la gang pour les affaires qu'il savait. T'as-tu remarqué? J'ai vu du fan service, il a fait telle affaire. Ouais, mais ça, c'est le médaillon qu'on a vu dans la bande dessinée qui est sorti le 17 juillet 1942. Non, tu voyais, il y avait une espèce de ping-pong de knowledge Star Wars. Drag de knowledge. Voilà. À la fin de l'année, y a-tu comme une remise de prix pour ceux qui sont le meilleur fan ou celui qui a le mieux réagi devant une bande-annonce? Ben, quelqu'un qui a écrit ça, justement, parce qu'il y a quelqu'un justement qui se vantait de se lever. Ben, dans la discussion que tout le monde se levait à nuit, c'est pas une personne, c'est plusieurs personnes ou les premiers. Il y a quelqu'un qui a écrit dans le post, puis j'ai adoré ça, le post de la personne, ben, le commentaire de la personne, c'est notre ami Steve, dit « Hey, y avait-tu un concours, justement, que j'ai manqué, moi, qu'il fallait être dans les 5 premiers pour l'avoir écouté le matin pour pouvoir... Tu sais, je fais comme « yes », tu sais, c'est ça. Mais c'est baveux, là, mais dans ça, rien que mettre les choses dans la perspective, c'est qu'on est des fans, on a vraiment du fun, c'est une thématique qu'on adore. Il y a des bons écoutez, il y a beaucoup de positifs à travers cette communauté-là aussi, là, c'est pas que du négatif. Mais tu sais, ça reste quand même, c'est quelque chose qui revient souvent, tu sais, j'ai fait une entrevue dernièrement, puis c'est vraiment quelque chose qui revient... les fans, ouais, sont spéciales, hein? Toi, tu te costumes, mais je veux dire, est-ce que tu crois vraiment à la religion Jedi et tu l'appliques-tu dans ton quotidien? Ben non, je fais des costumes aussi pour la fin de Comic Con. Il me break, là. Je suis pas le personnage, là, tu sais. Ben, écoute, t'as touché tantôt un petit peu au... vous avez touché aux fameuses collections. Sylvain, puis toi, Jeff et Kim, vous avez une collection qui est quand même assez extraordinaire. Mais est-ce que...
Tu en as parlé un petit peu tantôt. Il y a, ça existe vraiment, la compétition entre ma collection est meilleure que la tienne, mon sable laser est plus gros que le tien. Puis, oui, ça existe en plus. Oui. Oui, puis c'est le plus dommage là-dedans, c'est que Jeff l'a dit tantôt, là, c'est qu'après ça, la personne qui s'est faite un peu ridiculiser c'est un peu sa collection, il ne sera plus fier de sa collection. Il va être. Tu sais, il ne sera plus aussi heureux de la montrer aux autres. Puis. On s'entend qu'il y a des items de collection qui coûtent extrêmement cher. Hein. On s'entend, là, c'est des pièces numérotées, l'effet de rareté. Fait que la pièce centaine, que tu as acquise. Centaines de dollars ou des milliers de dollars? Ah, des milliers d'après moi. Ouais. Centaines de milliers. Mais tu sais, encore une fois, le but là-dedans, c'est pas de braguer l'argent que tu as mis sur ta collection. C'est la pièce que tu as acquérie et que tu es content d'avoir. Tu as une statue. Tu regardes en dessous de la statue, il y en a 1500, tu as le numéro 348. Ben moi, j'ai la 348e statue sur 1500, je suis content. Mais là, tu as l'autre après ça qui va arriver. Ouais, mais moi, tu as vu, j'ai acheté toute la série au complet. Fait que là, la personne se retrouve. Ah, OK. Ouais. Là, j'ai un peu moins de fun. Je suis un peu moins fier. Pourquoi? Ben parce que toi, tu viens juste gâcher mon plaisir. Puis ça, c'est, on rentre dans le manque de respect. Tu sais, au niveau du fandom, si le respect était présent pour chacun des personnes qui veulent s'exprimer, puis il n'y aurait pas l'autre cabochon qui viendrait contre-argumenter pour dénigrer l'argument ou le commentaire de la personne de manière négative ou méchante, même. Le fandom ne serait pas aussi toxique qu'il est à ce moment-là. La personne que je connais dans le monde qui a la plus grosse collection est au Québec. C'est un gars qui, avant de voir sa collection, il venait chez le monde, il venait faire un tour chez nous, puis il capotait, il regardait les vitrines, il disait « Tabarot, c'est beau quand t'as placé ça, JF, c'était intéressant, ça donne une autre vision. » Puis là, t'arrives chez eux, puis le gars, il a comme... Tout. Écoute, tu comprends, tout. Il a carrément tout de Star Wars, ou à peu près. Puis tu fais comme, ben, il s'en est jamais vanté. Puis il m'a complimenté. Puis ça, c'est une belle façon de questionner. Je peux le nommer, c'est mon ami Steve Bourlouis, là. Ce gars-là a Steve, une humilité. C'est ça, moi j'ai rencontré une fois ou deux, très gentil, je ne savais pas qu'il y avait cette collection-là, mais on n'a pas parlé, je sais que c'est un fan. Non, il n'en parle pas. Mais il y en a d'autres que j'ai vus là-bas. Ah, moi je l'ai, celui-là, j'ai la version plus grosse. Ben, oui, OK, mais ça. Lui est petite, puis belle pareil. Mais tu comprends? Mais c'est ça. Steve, c'est pour moi, c'est une belle philosophie, ça. Oui, ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous voyez arriver dans vos... Dans votre émission, quelqu'un qui part en fou là, sur les collections, puis est-ce que vous les éliminez ou tentez de raisonner? Qu'est-ce que vous faites? Sylvain a une façon parfaite de le faire. Il laisse se planter tout seul. Généralement, quelqu'un qui n'est pas gentil sur les groupes... Là, le temps fait bien les choses. Le temps fait bien les choses. On se rend compte que puis que ce soit sur Space Rush aussi, là, c'est un petit peu comme du trolling. Hein, fait, donne pas d'attention en ce moment-là. C'est ça, faut que tu les ignores. Moi, j'embarque pas là-dedans. Tu te rends compte qu'à un moment donné, la personne, elle se vante, puis elle se vante, puis à 3 likes par publication, tu fais comme, OK, je pense qu'on a compris que t'as bien du stock. T'as besoin d'attention, pis, là. Oui. Totalement. Puis on a une philosophie, moi puis Sylvain aussi, moins mais mieux. On n'est pas de genre sur la quantité, mais vraiment des pièces qu'on s'attache, des personnages qu'on aime, la beauté de la pièce, ou aussi un sentiment. Tu sais, des trucs ici qui valent des peanuts, là, ça vaut rien, là, mais tu sais, j'ai un sentiment parce que je me rappelle quand je l'ai eu, c'est un ami qui me l'a donné, puis tu sais, il y a un attachement. Auprès du collectionneur, il y a vraiment une évolution. Hein. Quand on se met à vraiment triper, puis là, on se dit, hey, écoute, à chaque fois que je vois un truc de Star Wars, je l'achète. Puis là, tu sais, ça part, là, tu sais. Tes parents, ton frère, ta soeur, peu importe, tes membres de la famille, ils se mettent à acheter plein de cossins de Star Wars qu'ils vont trouver n'importe où parce que « Ah, Sylvain, il aime ça Star Wars. Je t'ai acheté un jeu de cartes. » Mais oui, mais je joue pas aux cartes. Qu'est-ce que je veux? Là, tu te retrouves à un moment donné, t'as trop de stock. T'as vraiment trop de stock. Fait que là, le collectionneur, à un moment donné, il se met à dire « Bon, dans tout le lot que j'ai, qu'est-ce qui je tiens vraiment à cœur? Qu'est-ce que j'aime vraiment? » Fait que là, tu commences à épurer. Puis là, tu vends qu'est-ce que t'aimes plus ou t'aimes moins. Puis là, à un moment donné, tu finis à investir ton argent sur des pièces comme un quelqu'un qui collectionne l'art, tu sais, à un moment donné, va s'acheter un beau tableau qui va investir sur une belle pièce, puis il va laisser de côté les reproductions, les laminés qu'ils ont achetés au courant des années. Tu sais, c'est cette évolution-là qui se vient, puis c'est là qu'avec Jeff, on s'en parle souvent, moins, mais mieux. Tu sais? Ouais. Chicane, même chicane. Elle a tout en peur que je regrette, puis elle fait « Voyons là, tu peux pas vendre ça! » Puis je regrette jamais en bout de ligne, tu sais. C'est jamais arrivé. Mais des fois, ça vient un peu intense. Oui, mais c'est ça. Je vends, puis je m'achète une belle pièce. Au lieu d'en avoir 10 que je trouve correct, j'en achète moi, une. Moi, je veux pas belle. Qu'il se débarrasse. Il y a trop de belles affaires. Une autre chose j'ai remarqué... oui, c'est ça. Une autre chose que j'ai remarqué également, c'est au sein des... je veux pas partir de polémique, mais j'ai remarqué des fois... Au sein du cosplay aussi, au sein des gens qui font des costumes,
Autant, je parle pas de Star Wars seulement, mais dans le monde de Star Wars, j'ai remarqué qu'il y a une certaine, il y a un certain snobisme parfois. Est-ce que je me trompe? On laisse Kim là-dessus. On laisse Kim aussi. OK, vas-y, Kim. Non, mais tu sais, cosplayer, mais c'est parce qu'il y avait comme. Il y a des clans aussi. Pas des clans, non, mais je sais pas. Des, comment OK, on va dire les vraies affaires. On était plus avec l'affaire Wolfers aussi. On va dire les vraies affaires. OK. Il y a un groupe de costumés qui s'appelle la 501e Légion, qui est le groupe officiel, mettons, des standards d'approbation plus poussés. Tu sais, t'arrives avec un costume, là, écoute, c'est au millimètre près ton costume, et ça fait des fichus de beaux costumes. T'as une réplique carrément du costume. Fait que, tu sais, quand t'arrives dans un événement, mettons, une parade officielle, des trucs plus officiels, un truc pour la télé, c'est vraiment le fun parce que là, t'as l'impression d'avoir le personnage devant toi. Puis il y a des, ils ont un standard aussi dans le sens que. Si tu... des codes de vie, je pourrais dire. Tu sais, dans le sens que tu peux... Okay. Je pourrais pas mettre mon fusil puis le me mettre à la place du Bataclan. Ben, ça se fait pas. Il y a un petit côté Disney. Il y a une réglementation là-dessus. Et c'est son bon côté. Par contre, tu sais, à partir de là, t'es pas un meilleur fan parce que t'as un super beau costume de Star Wars, tu sais. Parce que, oui, il y a du monde qui vont le fabriquer. Moi, je prends le temps de les fabriquer ou de les assembler. Il y a du monde qui l'achète déjà tout fait. Fait que ça fait pas en sorte que t'es un meilleur maker de costumes. Fait que, tu sais, il y a des compagnies comme Anovas qui vendent des costumes du prêt-à-porter. Puis ça peut être approuvé dans un groupe comme la 501e. Tu sais, il y a certains costumes qui sont prêts à être approuvés ou du monde qui ont pris du poids, qui vendent le costume ou qui en ont perdu. Puis, tu sais, fait que, tu sais, ça veut pas dire que... À partir de là, que tu es un meilleur fan parce que tu fais partie de la 501e ou parce que tu fais partie d'un clan X de collectionneurs, d'une guild ou quelque chose dans le genre. T'sais, à partir de là, si toi, ton trip, c'est costume, tant mieux. Mais il y a du monde qui écoute, des grands collectionneurs qui ne s'achèteront jamais de costume. Tu as des collectionneurs qui. Des mondes de costumes qui ne s'achèteront jamais de collection non plus, qui ne collectionnent pas. Genre Michel Perrault qui faisait des costumes de C3PO qui était écœurant. Ben jamais, il ne collectionnait pas ce gars-là. Là, t'sais. C'est un exemple à travers tant d'autres. Là. Ouais, mais Sylvain, mais toi, t'es moins cosplay. Hein. T'es moins cosplay un peu, Sylvain. Ouais, moi, je suis moins cosplay. Puis, c'est là aussi que Star Wars Geek Québec est venu chercher un sentiment d'appartenance envers les fans de Star Wars parce que Jeff et moi, on se parlait. Puis, bon, tu sais, j'ai un costume de Snowtrooper dans le garage qui est monté à moitié, mais je me rends compte que c'est pas mon trip parce que ça fait un an et demi que je l'ai pas fini. Fait que je le finirai probablement jamais. Mais le fait est que. Comme Jeff disait à propos de la 501e, c'est une belle organisation, puis c'est une organisation mondiale. Quand on va dans des celebrations de Star Wars, puis on rencontre tous ces gens-là, c'est du monde qui sont fiers de cette appartenance, de ce sentiment d'appartenance-là, mais c'est pas du monde qui comment je peux dire ça, t'sais, c'est pas du monde qui sont fiers au point d'ignorer le restant de la masse des fans de Star Wars. Puis le fan moyen qui ne réussit pas à se retrouver dans cette vague-là, dans ce mouvement-là, ben, il a besoin d'un sentiment d'appartenance. Puis quand Star Wars Québec est arrivé avec le T-shirt, les gens ont commencé à s'acheter des T-shirts puis se promener dans les conventions avec leur T-shirt puis se reconnaître. Puis quand tu voyais quelqu'un d'autre avec le T-shirt de Star Wars Québec, le gars allait adresser la parole directement parce qu'il se sentait faire partie d'un équipe. Communauté. Oui, d'une communauté, comme des chevaliers de colons. Tu sais, on est dans la même gang. Non, mais c'est vrai, c'est ça. C'est ça qui se passe. Puis c'est pour ça que là, on voit les gens, quand ils reçoivent leur T-shirt, ils mettent leur T-shirt, ils prennent une photo, ils sont fiers, ils sont contents. Ouais. Pourquoi? Ben, parce qu'ils ont un peu le même sentiment d'appartenance que la 501e a envers leur organisation de cosplayers, autant que nous autres, c'est une organisation de fans de Star Wars at large. Tu sais, puis là, quand tu te retrouves. C'est ça. Moi, là, écoute, Denis, je rentre dans le cinéma voir un film de Star Wars, une première, là. Je rentre dans le cinéma, puis je regarde dans la salle, là, puis je peux voir 5 t-shirts de Star Wars Québec dans la salle. Écoute, j'ai la chair de poule quand je vois ça. Je trippe parce qu'on avait parti avec ben, c'est toi qui as parti ça, je veux dire, mais on était avec une groupe de chums pour jaser entre nous autres au début. Exact, puis une poignée de personnes, puis là, on est rendu plus de 4000, puis c'est une organisation que, avec l'énergie du désespoir, on essaye de rester dans le chemin du respect. Puis c'est difficile, mais tu sais, j'ai une super bonne équipe de modérateurs qui font une job de l'enfer à essayer de montrer comment vivre correctement sa passion de Star Wars. Nous autres, sur Space Trash Show, ben, on amène souvent du monde de Star Wars Geek Québec parce que, tu sais, ou de la 501e ou n'importe quoi, on essaie de montrer la variété souvent de ce fandom-là parce qu'il y a de quoi de beau. Tu sais, je veux dire, on chiale, tu sais, des fois, on va être négatif, n'importe quoi. Tu sais, je fais souvent mon Grinch, mais à quelque part, ça fait 10 ans que je suis dans la 501e cette année. Ça ferait pas 10 ans que je participerais à ça si le monde me tendrait autant ses nerfs. Tu comprends, là, tu sais? Mais il y a la communauté aussi.
Excusez. Je parle tout le monde exactement. Non, je disais que la communauté aussi ailleurs dans le monde, quand on fait des celebrations et qu'on se promène, on a une fierté d'avoir nos jackets ou peu importe, écrit Star Wars, mais qu'on vient du Québec, qu'on vient du Canada, puis là, on en voit de d'autres pays, puis là, tout le monde se parle, mais on parle tout comme un peu le même langage, mais c'est cool. Un anglais, un mauvais anglais. Oui, little bit of an accent, but we speaking Star Wars, tu sais. Oui, we speak Star Wars. Ouais, ouais, c'est we speak Bashy. Émy, t'as-tu vécu ça un peu de snobisme, de costumadière? Écoute, OK, écoute. Là, j'ai quelque chose à te raconter à propos de la 501e. Excusez, je sais pas pourquoi j'ai de la misère autant à dire ce chiffre-là, mais à un moment donné, Comic-Con de Québec, je décide, j'ai un lightsaber, je m'habille en noir, je me fais un make-up vite fait de site parce que... j'aime Star Wars, puis j'ai pas eu le temps de me faire un gros cosplay, puis j'avais juste envie de, tu sais, d'en profiter et de faire ça. C'est ça, tu sais. Puis je te dirais que j'ai eu du monde qui me regardait, puis qui était comme OK, mais parce que, tu sais, je veux dire, ça sortait de nulle part, c'était pas un personnage précis. Bon, ouais. Fait que oui, j'ai eu un peu de snobisme, et quand je suis passée devant le stand de la 501e, j'ai eu des high-fives et de l'amour, et j'étais comme OK, cool. Parce que je le sais que j'étais pas accurate, je le sais que j'étais pas un personnage. J'aime juste Star Wars, puis j'avais envie de me promener. Sérieusement, c'était un prétexte pour me promener avec mon lightsaber. On l'a compris. C'était surtout ça. mais tu sais, c'est ça qui arrive hein, aussi. Ben, comme dans n'importe quel groupe, ben, en tout cas, dans le cas de la 501e, avec Fédéric et eux autres, c'est que c'est un groupe qu'on approuve. On approuve le costume, hein, c'est pas l'individu. Fait que si quelqu'un a une mauvaise attitude dans la vie, je veux dire, tu sais, on l'a pas approuvé pour la personne, dans le sens, ton costume, il est parfait, ben, gars, tu fais partie de la gang, et à partir de là, c'est comme dans n'importe quel groupe, hein, t'as des individus hyper sympathiques, puis t'en as d'autres qui se prennent la tête. Mon costume était pas parfait, mais par exemple, j'ai eu une invitation, j'ai eu une invitation de faire partie de votre gang, puis ils m'ont envoyé la liste de qu'est-ce que je devais remplir pour avoir un costume parfait. Ça fait un peu peur, là. Il y a beaucoup de critères. J'ai fait comme, plein, ils m'ont dit, Émilie, on le sait que t'es capable, puis j'en fais des cosplays, où est-ce que je prends mon temps? Ben oui, ben oui. Puis là, j'étais comme, oui, mais tu sais, de faire un cosplay avec autant de critères. Moi, pour vrai, je trouve ça cool pour l'aspect que tu dis que, justement, les costumes sont beaux, puis tout cet aspect-là, oui, je suis d'accord. Mais en tant que cosplayers, j'ai pas envie parce que je trouve ça stressant, puis je veux avoir du fun puis relaxer quand je fais un cosplay, puis je trouve que d'avoir une liste, je trouve que ça rend le truc que j'aime relaxer et le faire, je trouve que ça rend ça stressant. Pression, un ça donne une pression. Moi, mais si on suit la liste des nombreux critères énoncés pour faire tel ou tel personnage dans cet univers, ça peut coûter combien un costume? Combien de temps à faire? Parce que j'en vois souvent dans les... Ouais. Jeff, quand on se promène, on en voit souvent qui viennent te voir. Hey, moi, j'achève, là, ça fait 4 mois là, que je sable. C'est un passe-temps. Moi, je n'ai même pas de date. À un moment donné, du monde qui m'a demandé, il me faisait des commandes pour fabriquer des Stormtroopers, là, le bonhomme blanc en arrière. Puis, tu sais, dans le sens que moi, je fais ça comme passe-temps, c'est vraiment, tu sais, je veux pas être date, j'ai pas de date butoir dans le sens que si ça me prend un an à faire un costume, parce que j'ai fait de la recherche, puis c'est souvent la recherche qui est plus long, c'est beaucoup plus long que sabler des bouts de plastique, là, on s'entend, là. Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a pas de date, tu sais, ça peut prendre facilement un an. Moi, normalement, ça peut prendre un an par costume. Des fois, j'ai deux projets de side. Puis après ça, au niveau des coûts, mais c'est rarement. Avec les accessoires, là, l'armure, les soft parts, le gun, les petits gâtés, les accessoires auto, c'est souvent autour de 1700, 2000. C'est commun, là, tu sais, tomber dans ces chiffres-là. J'aurais pensé que tu m'aurais dit plus. Ben, il y en a que plus. Le short trooper en arrière, ça m'a coûté plus que ça, tu sais. Mais là-dedans, m'a coûté plus. Là-dedans, tu comptes pas ton temps là-dedans. Là. C'est juste les pièces. Jamais. Le temps, c'est ça. Comptes-tu les pièces que tu as dû refaire ou t'es enlevé ceux-là aussi? Que j'ai dû refaire? Non, mais tu sais, des fois, tu fais que des erreurs. Puis tu... Ouais, c'est ça. Moi, je sais que tu as scrappé trop tôt. Je suis pas si fait, là. Je me suis amélioré avec le temps. Non. Puis Sylvain, toi, t'es-tu le genre à acheter une pièce que quelqu'un a fait? Ça serait-tu le genre de truc qui pourrait se retrouver dans ta collection? Quelque chose que, je sais pas, moi, un Mando grandeur nature avec tous les détails. Ça serait-tu le genre de patente que tu mettrais chez vous, ça? Oui, mais pas un costume. Tu sais, moi, je suis plus du genre à acheter, une pièce, une toile ou quelque chose, une,
une réalisation artistique de quelqu'un a fait. T'sais. Moi, okay. Ça, c'est plus mon genre. Et puis, pour ce qui est de tu sais, j'ai quand même... Je suis un peu manuel. Je ne suis pas un artiste. Je suis capable de faire des dessins, mais je suis capable quand même aussi de sabler des bouts de plastique puis faire des trucs. Puis la seule chose, c'est que des fois, à un moment donné, j'étais un gars au mille et un projets. Hein. Tu sais, j'ai le projet 432, le 284. Il ne faut pas que j'oublie le 186. Je veux tout faire, mais je n'ai jamais le temps de tout finir. Tu sais, fait que je commence plein de choses. Puis autant comme dans le cosplay, mais il y a aussi il y a les droid makers, tu sais, ceux qui font les robots, ouais. R2-D2, ouais. Tout ça. Puis ça, je me suis parti de ce projet-là aussi. J'ai commencé à monter mon R2-D2. Dans ton garage. Ouais, c'est vrai, dans mon garage, j'ai commencé mon R2-D2. Et puis, mais tu sais, ça aussi, ça va vite, là. Quelqu'un peut commencer puis faire un R2 tout en aluminium. Et puis, écoute, avec toutes les pièces, les pièces électroniques, les moteurs, les composantes, ça peut facilement monter jusqu'à 20 000 $ le R2-D2. Ah, ouais. C'est de l'argent, là, mais... Ouais. À bout de ligne, écoute, mais t'as un R2-D2 fonctionnel, tu sais, qui va faire tous les sons que tu vas lui dire, puis il y a des groupes mondiaux, puis que ces groupes-là, ils partagent des plans, ils partagent des lots de pièces qu'ils font fabriquer, puis qu'à un moment donné, tout ce que t'as envie de faire à ton droïde, il va le faire parce qu'il y a une communauté qui trippe, puis qui crée, et puis là-dedans, il y a des machinistes, des électriciens, puis il y a du monde qui se une bonne c'est coopération. Malade. Je peux même... On en connaît un. Oui, oui, oui. Ben on peut amener ça même à Lego, comme tu dis. Ben celui qu'on connaît, ben c'est toi qui parlais. Oui, même comme Sylvain dit, ça va même temps, au niveau de la qualité, ça va tellement loin que maintenant, les nouvelles productions de Star Wars pour Lucasfilm, ils ne fabriquent plus, ils vont demander à des props makers de venir amener leur droïde, leur astromech, ces choses-là, dans les séries, dans les films, parce que, écoute, t'en as un parfaitement fonctionnel, comme Sylvain dit, qui fait tout. Pourquoi tu vas te casser la tête comme production à en faire qu'un 20 000 piastres quand tu peux allouer un le temps d'un tournage, tu sais? Mais tu sais, quand je regardais Mando, je regardais les bebelles qui pourraient éventuellement devenir des collections pour vous autres, gang de maniaques. Et on dirait qu'ils font par exprès de sortir toujours. T'en as du stock là, que tu peux acheter, confectionner, porter et encore retrouver dans des items, tu sais, comme étant des items de collection sans prix. Ça n'a pas de fin, ça. Ça n'a pas de fin. Combien de temps ça va durer, votre passion? Combien de temps tu penses que ça va durer, ta passion? Est-ce que c'est éternel? Jusqu'à 90 ans. 90 ans, on arrête. Fini tout. 91, tout est vendu. Ouais. Ben, c'est drôle, hein? C'est des passes aussi. Il y a des passes que je suis plus costume, des places, des moments que je suis plus collection. Des fois, là, je suis parti dans des maquettes. Je fabrique des maquettes, je vais me tanner aussi. Tu sais, fait qu'elle se promène, c'est vivant qu'une passion. Hein? C'est quand tu commences à focusser tout le temps que c'est la même affaire, ça peut venir monotone assez vite. Tu sais, j'ai tant trippé sur Star Wars, ça fait des années, 25 ans peut-être que je collectionne. Tu sais, avant, j'ai eu comme kid, j'ai eu des jouets, mais je collectionnais pas. Là. Mais tu sais, comme adulte, je collectionne, ça doit faire 25 ans, mais ça fait 10 ans que je fais des costumes. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas tout en même temps. Tu sais, c'est ça, c'est vraiment des phases. Fait que je pourrais me tanner aussi à un moment donné, puis je m'attends, puis je m'en vais vivre dans un condo, puis j'ai pas de place pour ça physiquement. Je garderai pas ça dans des bacs, là. C'est certain que je vais vendre, tu sais, puis ça finira là, tu sais. Sylvain, vas-tu agrandir ta maison, toi, pour rentrer plus de stock? Non, c'est un des éléments qui a fait en sorte que je suis devenu plus mature au niveau de la collection, puis que je me suis dit, à un moment donné, il faut qu'il y ait une limite. Je peux pas tout agrandir la maison. Tu sais, en blague, je dis, je me suis fait un garage pour que le deuxième étage du garage puisse se mettre, mais le deuxième, il est plein. C'est plus drôle, là. Fait que là, je me dis, à un moment donné, il faut vraiment acquérir une maturité. Puis une collection, tu sais, une passion, c'est vivant, mais une collection aussi, c'est vivant. Ça se transmet d'une personne à l'autre. Moi, des fois, là, je vends des lots de collection parce que je me dis, OK, j'ai plus de plaisir. Ça, j'ai plus de plaisir, ça me sert à rien de le garder. Je le transmets à quelqu'un d'autre, puis la personne vient chez nous, puis je transmets ça, puis je vois les étincelles dans ses yeux, il capote. Puis, tu sais, cette collection-là, je la vends pratiquement le même prix que je l'ai payé. Je fais pas d'argent avec ça. Tu sais, il y en a qui vont acheter pour revendre, puis qui vont s'imaginer devenir un Rockefeller de la collection parce que c'est vendu 35 $ en magasin. Je les ai tout achetés, j'ai mis dans la tablette, puis j'ai vendu 45. Je fais 10 piastres par figurine. Hein? C'est vrai. Qui le brillant, c'est qui le mot? Mais il y en a des tonnes comme ça. Mais moi, là, ma figurine, je l'ai payé 35. Je l'ai payé 35 piastres en 2017, mais je vais la revendre 35 piastres aujourd'hui. Mais là, je veux pas que tout le monde sonne chez nous. Mais une chose, c'est qu'on n'est pas naïf. On sait qu'il y a certaines choses qui ont pris une valeur, mettons une statue qui est numérotée, qu'elle se trouve plus pratiquement. C'est certain que t'es pas niaiseux, tu vas pas le vendre à perte non plus. Là. C'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le leg. Et les filles. 2 minutes. Et les filles. Oui, 2 minutes, ça va vite. Hein? Wow. Parce qu'on a un invité qui s'en vient dans quelques instants. Un autre invité. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est...
Ça se peut-tu que quelqu'un vous fasse une offre à un moment donné, juste, moi, je peux prendre toute ta collection? Est-ce que ça s'est déjà vu dans l'univers de Star Wars, que quelqu'un vende ça, bang, puis, tu sais, une personne qui achète son kit? Ça s'est-tu déjà vu, ça? Ça peut-tu se faire? Ça doit. Ça m'est pas arrivé, en tout cas. Non, t'as pas eu d'offre? Moi, je pense que la personne qui ferait ça, ça serait quelqu'un qui serait dans le trouble là, pour vendre sa collection en lot. Mais il y a pas d'avantage à vendre une collection en lot, parce que tu feras pas d'argent avec ça. Tu vends une collection en lot si jamais tu as des troubles financiers, mais sinon, tout se trouve. Hein. C'est super important de savoir ça aussi. Même des figurines vintage 1977 sur carte, ben, il va juste avoir l'obstacle du prix qui va t'empêcher de l'avoir parce que tout est disponible. Oui, puis si je peux finir peut-être là-dessus au niveau de l'achat là, des lots, là, mais tu sais, je pense que aussi d'acquérir la collection morceau par morceau, de chérir, tu sais, l'excitation d'attendre que la pièce arrive puis l'avoir dans les mains, c'est beaucoup plus excitant qu'acheter un lot puis avoir tout ça one shot. C'est sûr. Je pense qu'au niveau, même comme collectionneur, je ne serais pas excité d'acheter un lot, un gros lot, une grosse collection d'un coup. Tu sais. C'est pas quelque chose qui m'intéresserait de m'envoyer. Vous êtes des gentils maniaques. Merci beaucoup d'être mes amis. Puis continuez de partager cette folle passion que vous avez. Puis au plaisir de s'en reparler parce que c'est toujours le fun.